Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et toujours vous demander d'être resté courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où l'informaticien de Réveil d'Afrique a pu intercepter un échange téléphonique entre Mamadi Doumbouya et Claude Pivi. Alors, beaucoup de Guinéens vont se poser la question à savoir ce que Mamadi Doumbouya et Claude Pivi se sont dit. Alors, la réponse est très simple. Mamadi Doumbouya a essayé de faire un arrangement avec Claude Pivi pour que ce dernier puisse se rendre car l'armée a échoué en ce qui concerne la capture de Claude Pivi. Raison pour laquelle Mamadi Doumbouya a essayé d'entrer en contact avec Claude Pivi pour négocier et voir dans quelles conditions ce dernier devrait se rendre aux autorités pour être jugé en ce qui concerne les événements du 28 septembre. Alors, pour se rendre, Claude Pivi a posé des conditions au préalable. Il demande la libération de tous ses proches et la démission du général Mamadi Doumbouya du poste de président de la transition. Car, d'après lui, il estime que la Guinée mérite d'avoir, pour une fois dans sa vie, un président démocratiquement élu. Pivi demande à Mamadi Doumbouya de laisser la tête de la transition et d'organiser très rapidement des élections où un civil devrait entre autres prendre les choses en main. À l'heure où nous mettons cette dépêche en cours, les tractations sont en train de se faire entre Claude Pivi et Mamadi Doumbouya. Mais nous pouvons vous dire que la balle est dans le camp de Mamadi Doumbouya. C'est à lui de libérer la famille de Claude Pivi et à démissionner du poste de président de la transition pour que Pivi puisse se rendre aux autorités de la transition et répondre enfin de ses actes en ce qui concerne les événements du 28 septembre. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne. Partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.